Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour parler des geckos léopards. Un gecko. On s'en est fait donner un récemment. Donc, je vais vous mettre des photos, des vidéos de lui. Puis, vu que je connaissais pas ça, je me suis dit que j'allais faire beaucoup de recherches pour apprendre à mieux le connaître, lui, puis savoir des choses simples comme est-ce que c'est un animal de jour, de nuit, son sexe. Ben ça, en ce moment, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Qu'est-ce qu'il mange? Combien de degrés il faut que ce soit dans sa cage? Combien de longueur il va faire? Qu'est-ce qu'il nous dit s'il est malade? Comment organiser sa cage? Et tout. J'ai sorti des idées de noms que pour moi faisaient autant masculin que féminin vu qu'on ne sait pas son sexe. Il s'appelle Billy. Je dis « il » parce que c'est le gecko. C'est pas parce que c'est un mâle. Donc, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai découvert dans les recherches que j'ai fait. Côté alimentation. Il peut manger des grillons, des vers cirés, des vers à soie, des vers de beurre, des vers de farine, vivants ou morts. Et on peut lui donner aussi des bébés souris seulement si le gecko est adulte. Une taille adulte chez un gecko, ça fait environ 20 à 25 centimètres. Pour son terrarium, son habitation, on doit pas mettre de sable dans le fond de la cage parce que ça peut étouffer le gecko. Les
Les abris pour reptiles sont essentiels car le gecko s'y cache et s'y repose le jour. Faut prévoir deux abris par animal. Donc, par bébite, là. C'est un animal nocturne, donc qui vit la nuit et qui dort le jour. Il faut pas hésiter à décorer son lieu de vie avec des plantes artificielles, des pas et des pierres. Plates ou grosses, des racines, des branches. Placées comme les abris. Légèrement enfoncé dans le sol pour lui permettre de grimper après. Faut pas oublier d'y mettre de l'eau au gecko. J'ai aussi lu que dans le jour, il fallait qu'il fasse de 25 à 35 degrés dans la cage, dans le terrarium. Et la nuit, de 20 à 22 degrés. Ça, c'est les recherches que j'ai faites. J'ai aussi trouvé comment distinguer un mâle d'une femelle. Ça va être à nous de le faire parce que là, en ce moment, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Je vais tout vous laisser écrire ce que j'ai trouvé comme recherche si vous voulez adopter un gecko. Mais aussi, j'ai trouvé dans les recherches que c'était un animal idéal pour les débutants, ceux qui n'ont pas de lézards ou de reptiles, parce que c'est un animal qui s'adapte très facilement au mode de vie de la personne, qui est très colleux, qui s'adapte au tempérament, très facile à vivre. Qui aime beaucoup se faire manipuler. Fait que c'est ça. Puis mon opinion personnelle pour un souris et les geckos, si vous donnez des bébés souris à votre gecko, votre gecko goûte au sang. Donc, selon moi, il aurait plus tendance à mordre pour regoûter au sang parce que vous le nourrissez avec du sang. Tandis qu'avec des bébites, il y a moins tendance aux morsures.
ce qui différencie une femelle d'un mâle. Bon, ils disent que le mâle est plus gros que la femelle, il est plus costaud. Et il est plus court. Et pour avoir la certitude, ils disent de placer le gecko en sécurité sur le dos. Et de regarder s'il y a un pénis ou un vagin. Je vais vous expliquer comment faire. Il s'agit de deux renflements évidents à la base de la queue. Ce sont les organes sexuels des mâles. Les mâles développent une ligne de petits points en relief entre leurs pattes qui forment un V. Chez les femelles, cette zone est lisse. Fait que chez le mâle, tu vas voir deux trous comme. Puis chez la femelle, la zone va être lisse. Fait qu'il y a comme pas le deux trous. On va essayer de vérifier ça avec le gecko pour savoir si c'est une femelle ou un mâle. J'allais vous le montrer, mais à cette heure-ci, il doit être encore dans sa nuit. Parce que, comme j'ai dit, il dort dans le jour. Donc, il se réveille le nôtre environ vers 3-4 heures de l'après-midi. Généralement, mon petit frère arrive de l'autobus, puis ils viennent de se réveiller, de déjeuner et tout. Puis le soir, on le prend dans nos bras. Fait que je vais vous montrer ça. OK. Enlève. Il est tellement caché. Puis on le voit. Puis en le voyant, ça me rappelait que aussi un des signes que votre gecko est peut-être mal nourri ou qui a faim ou qui est malade, c'est qu'il va avoir le bout de la queue très mince. Et si le gecko est en danger ou est pris au piège, il va se détacher sa queue de lui pour se libérer. Fait que je vais vous le montrer.
Il est là. Attends. Je... Bonjour Billy. Dodo m'a profité pour vous montrer sa cage. Dans le fond, nous, on a un bol d'eau / piscine, un bol de nourriture avec un verre mort, deux criquets morts, fait que là, nous, ils les mangent pas. C'est tantôt où je vous disais mort ou vivant, nous, quand ils sont morts, ils les mangent pas. Il y a une tête de mort qui peut se cacher dedans, un bout de bois qui peut grimper, un dragon qui peut se cacher en dessous, puis grimper dessus. Une lampe à cochon. Puis finalement... C'est ça, je vous ai montré l'habitat, mais on l'a eu avec toutes ces choses-là. Tu sais, il y a des choses que peut-être ils vont changer éventuellement quand on va peut-être trouver meilleur. Là, ils disent aussi de ne pas trop ouvrir la cage quand on y donne des criquets. Pour pas que les criquets se sauvent. Mais... nous, on le prend pareil, là.